fucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Coucou tout le monde, c'est Nathan, de retour sur Resident Evil 7 Beginning Hour. Alors tout de suite, il y en a qui vont se poser la question, mais pourquoi est-ce que tu nous fais une vidéo sur la démo du jeu alors que le jeu final est sorti? Eh ben tout simplement parce que déjà là, j'ai pas le temps de le faire tout de suite, le jeu. L'heure à laquelle je poste cette vidéo, enfin le jour en tout cas, sur lequel je le poste, les premières vidéos sur le jeu final devraient arriver. Le lendemain ou le surlendemain, quelque chose comme ça. Je suis de retour un petit peu sur la démo voilà, un soir là, en sortant du taf, je m'y mets pour tester un petit peu les réglages sur PC, parce que c'est vrai que je vous avais fait la démo sur PS4 jusqu'à présent, et là je vous le fais du coup sur PC, et aussi pour essayer de vous montrer la bonne fin, celle dans laquelle on se barre de la maison, hein, parce que je vous avais montré la mauvaise fin dans laquelle on se transforme en espèce de truc noir, en espèce de bout de goudron, et aussi pour essayer de choper la pièce sale, la fameuse pièce sale qui est difficile à avoir et qui a fait l'objet un petit peu toutes les convoitises depuis la sortie de la démo, hein, avec cette histoire de doigts mystérieux qui n'a révélé son utilité que dans la dernière mise à jour, hein, c'est-à-dire tout début décembre. Alors d'abord, ce qu'il faut faire, de ce que j'ai compris, alors j'ai pas cherché moi-même, hein, ce qu'il faut faire, je suis allé voir sur internet, et de ce que j'ai compris, il faut d'abord s'occuper du fusible. Ensuite, on va aller récupérer, je sais pas trop quoi, le cahier. Allez, on va récupérer le cahier, comme ça ce sera fait. Le plus dur, ça va être d'esquiver le monstre. Merde, il est où le cahier? Il est là. Tac, carnet vierge. Pour ceux qui ont vu que mes vidéos et qui n'ont rien vu d'autre, vraiment sur la démo ou le jeu, vous saurez très rapidement à quoi il sert. Ensuite, ah, le doigt, je l'avais oublié. Ouais. Le doigt, faudra le récupérer, bien sûr. Vous verrez aussi à quoi il sert. Je me suis vraiment pas fait chier à chercher tout, hein, parce que il y a des trucs à trouver, c'est juste impossible. Et notamment toute une composante qui fait très inspirée de Pity, voire même repompée, dans laquelle il faut faire déclencher des rires de gosse. Et ça, pour trouver comment il faut faire pour le déclencher, vas-y quoi. Il y a un autre puzzle qui est largement faisable. Mais celui-là, trouver les rires, c'est assez horrible. Alors, sur la cassette, je vous l'aurais peut-être montré si jamais... j'ai réussi à la voir, mais on peut voir le fantôme en fait dans la cassette vidéo à plusieurs endroits, et notamment 7 endroits différents dans le sous-sol. Alors 7, vous me direz, c'est le chiffre du c'est le numéro du jeu, on va dire ça comme ça. Mais la cassette est pas on n'a pas besoin de la voir nécessairement pour avoir les tout ce dont on a besoin en fait pour pouvoir avoir la pièce sale. Alors, il faut récupérer la clé du sous-sol, tac. Et là, alors là, hop, tac. On a une inscription sur ce mur. Et cette porte-là est fermée, hein, c'est là-dedans qu'il y a la pièce sale, en fait. 5 hôtes assassinés, mais où rien n'indique l'endroit de leur mort. Donc déjà, on a eu un premier rire, hein, il y en a 5 à voir. Et si on retourne sur l'inventaire, on remarque que là, on a... quelque chose qui s'inscrit au son du carillon. Grace ne bouge plus. Seule sous le poids de la souffrance, elle s'est tue. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, en espérant que ça foute pas le truc en l'air, parce que pour déclencher les rires, il faut faire certaines choses dans un certain ordre. Et pareil, c'est pas clair la manière d'avoir les rires. C'est pas clair du tout. C'est très très repompé de Pity, et faut pas s'inquiéter, dans le jeu final, il n'y a pas ce genre de puzzle, en tout cas j'espère pas.
C'est dommage, c'est peut-être le seul point négatif que j'ai à trouver à cette démo, c'est le fait qu'ils aient repompé cette énigme de pitié complètement, quoi. Ça, je vais le prendre, je vais en avoir besoin. Et là, par contre, c'est le passage dur du jeu, j'espère pas avoir à recommencer la démo. Merde, j'ai perdu la... Voilà, hop. J'ai déplacé mon tapis de souris et ça a foutu en l'air la vue. J'espère vraiment pas avoir à refaire la démo. Allez hop. Merde, putain, je me suis fait avoir. Quelle saloperie, hein. Bon bah... Y a plus qu'à recommencer. Allez, c'est bon, on y est. Et ben c'était juste, hein. Putain. J'ai même cru que j'allais pas y arriver. Bon, du coup, j'ai ramassé. J'ai pas tout ramassé dans le même ordre, du coup, j'ai pas. Faut que je récupère ça, parce que c'est la première chose que j'ai fait. C'est de récupérer ce foutu cahier. Je récupère le doigt, il faut que je récupère. Là-haut, des trucs. Alors attendez deux secondes avant, je vais aller récupérer la cassette pendant que je suis en bas. Et normalement, le monstre réapparaît pas dès le moment où on a récupéré la clé du. La clé du. De, merde, de la sortie. Donc là, en toute logique, je pourrais finir le jeu. Enfin, finir le jeu, finir la démo, pardon. Avec la bonne fin, mais on va essayer d'avoir cette foutue pièce sale. Alors normalement ça sert pas grand chose hein, dans le jeu, ça sert juste à... Parce que dans le jeu en fait final on récupère des pièces pour ouvrir des cages qui contiennent des bonus, des munitions, des armes, ce genre de trucs. Et c'est juste une pièce en fait qu'on pourra transférer dans le jeu final. Alors je sais pas trop, ça me fait un peu chier parce que le jeu est peut-être un peu plus joli que sur PS4 du coup. Voire même plus joli que sur PS4, quoique je sais pas trop. Mais le problème c'est que du coup là, donc sur PS4 il est en 60 FPS, le jeu je sais pas si vous l'aurez en 60 FPS justement parce que il est vachement gourmand, je m'en rends compte. Surtout si on pousse quelques options au maximum. Ok, donc on retrouve notre inscription. Alors là vous voyez que j'ai récupéré une main en celluloïde, c'est la main qui va... attendez, on combine comment ici? Comme ça? Voilà, c'est la main qui va au bout du doigt, ou plutôt le doigt qui va au bout de la main. Et ça, ça va nous servir pour l'énigme. Attendez, j'ai quoi sur moi? Faut que j'aille récupérer la hache. Je crois. Attendez, je regarde mes notes parce que je me souviens pas de tout. Ok, ouais. Alors, si on relit le bordel, là c'est marqué « Au son du carillon, Grace ne bouge plus, seule sous le poids de la souffrance, elle s'est tue. » Alors le son du carillon, en fait, il faut savoir que je pense que c'est une erreur de traduction, parce que le son du carillon, en fait, c'est le son de l'horloge. Je sais pas pourquoi ils ont traduit ça par « son du carillon », il me semble que dans la version anglaise, c'est marqué « cloque », hein, en toutes lettres. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser la main, l'examiner et la pointer. Écrasé sous l'armoire. La pointer vers le lieu du meurtre. Ensuite... alors, il doit y avoir une porte barricadée à l'étage. Alors là, c'est les... En fait, c'est pas tant pour les pour la solution des meurtres. Que je cherche le... ça, c'est surtout pour les... que j'ai noté plutôt
je parle pas, je me concentre pas. C'est surtout pour... voilà. C'est surtout pour déclencher ces foutus rires. Comment les gens ont su qu'il fallait aller là après avoir pointé l'armoire pour déclencher le rire, quoi, sérieusement. Et c'est en ça que le jeu est un peu dommage. Enfin, que la démo, je dis que c'est un jeu, effectivement, c'est un peu un jeu, puisque c'est des énigmes qu'on retrouve pas dans le jeu final. Alors ensuite, il y a quoi à faire? Alors, commode du cellier, ça c'est fait. Alors, le cadavre du fond. Ah ouais, putain, au sous-sol. Il y a le cadavre du fond au sous-sol. Bon. On reviendra ici plus tard. C'est marrant, on entend de nouveau ce grognement, on l'avait pas entendu plus tôt. Ok, nous voici au sous-sol. Et normalement ici, il faut pointer ça. Hop. Il s'est fait tirer une balle dans le crâne. Ensuite, le prochain rire du coup. En fait, j'ai dit ça, mais j'ai pas lu le... On peut faire des demi-tours rapides aussi sur PC. J'ai pas lu le... Je suis vraiment désolé, j'ai pas pensé à ça. Je suis encore tout sous le coup du stress du monstre, là. Voilà. Ce lit froid et raide n'est pas si déplaisant. Dans ses rêves, Phil continue d'être vivant. Donc le lit, ça montre très clairement la table roulante. Ensuite, pour déclencher le prochain rire... Alors attendez, c'est où? Putain, la vache. Je sais vraiment pas comment les gens font pour trouver ça, quoi. Est-ce qu'il y a une raison logique? J'aimerais bien savoir s'il y a une raison logique, parce que la plupart des infos qu'on trouve sur cette énigme, c'est juste la solution. Mais il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de raison de cheminement extrêmement logique pour avoir tout ça. C'est pas ça, c'est ça que je cherche, moi. C'est absolument pas ça que je voulais faire, c'est surtout l'utiliser que je voulais. Attendez, non, faut d'abord que... Putain, c'est vrai que je peux pas utiliser des objets comme ça, il faut que j'examine. Ok, on a la foutue hache. Et maintenant, c'est ce portrait-là qui nous intéresse. Et voilà. Troisième rire. Ensuite. Ah, l'icône aussi dans l'inventaire change. Et on a trois inscriptions maintenant. Alors la suite, c'est quoi? Pauvre Stanley qui voulait jouer à cache-cache, enfermé à jamais par une bande de lâches. Alors, jouer à cache-cache. Alors ça, c'est lequel, par contre? Normalement, c'est... Ok, c'est la porte aux poupées. Donc c'est celle-là qu'il faut pointer du doigt. Jouer à cache-cache. Alors, il jouait à cache-cache là-dedans. Ok. Effectivement, jouer à cache-cache, ça peut indiquer une petite pièce. Ah d'accord, il était cloué, enfermé vivant dans la pièce. Et il est mort de faim, je pense, ou je sais pas. Alors attendez, là, il faut... se mettre là et faire demi-tour rapide. Alors pareil, pour savoir ça. Pff, allez, je sais pas. Et le dernier est encore plus chaud à voir. Là, on a Marlène Belle avec... Oh putain, pourquoi ça s'est déplacé là? Marlène Belle avec son collier blanc et bleu s'est étranglée en voulant côtoyer les cieux. Alors, collier blanc et bleu, est-ce que c'est un... Alors normalement celui-là je devrais l'avoir. Sans avoir besoin de regarder mes notes. Faut que je vais regarder quand même mes notes pour être certain que je me plante pas. Ouais c'est parce que... Non attendez. J'allais au mauvais endroit. Alors collier blanc et bleu.
Je suis content, c'est la première fois que je fais ce truc et j'arrive à déclencher au moins un rire. En tout cas, moi, celui que j'arrivais pas à déclencher, c'était celui-là. Et là, j'ai réussi à tous les faire. Donc, c'est un coup de chance. Collier blanc et bleu. C'est ça le collier blanc et bleu. Sympa. Ensuite, alors. Ouais, oh là là, ça c'est chaud, hein. Le dernier rire se déclenche. Parce qu'on a résolu 4 énigmes, mais on a déclenché. Non, on a résolu 4 énigmes, mais on a déclenché 4 rires pour le moment. Et donc pour déclencher le cinquième rire, il y a un truc qu'il faut faire, c'est utiliser le téléphone. À ce moment-là. Pareil, encore une fois, encore un truc hautement pourri. C'est complètement. J'en reviens toujours pas. Pourquoi ils ont fait un truc? Je pense qu'ils ont vraiment le but de. En fait, la pièce sale qu'on récupère, c'est vraiment une récompense peanuts pour faire genre, voilà, on récompense le joueur. Surtout qu'à la base, personne ne savait à quoi ça servait, quoi. Alors que clairement cette énigme, c'est juste un moyen de Capcom d'alimenter le buzz autour de la démo, de faire chercher le joueur à la manière de Pity. Alors que là où Pity, la récompense, c'était le fait qu'on savait du coup, on avait le trailer de fin, on savait que le Pity c'était Silent Hills. Là pour le coup, c'était vraiment juste pour faire le buzz quoi, il n'y avait pas de. N'y a pas vraiment de récompense à la fin quoi. Si ce n'est cette pièce sale qui vient se mélanger aux autres. Puisqu'on en trouve dans le jeu, hein, c'est ça que je veux dire par là. Alors après peut-être qu'il y a des variantes, hein, parce que j'ai entendu dire qu'on trouvait deux types de pièces, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, moi j'ai super hâte de jouer à ce jeu-là. Hein. J'ai vraiment très hâte. Les tests sont tantôt positifs, tantôt mitigés. Mais ça fait vraiment plaisir de voir Resident Evil revenir aux sources, aux sources de ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un jeu d'horreur, tout en revenant à quelques mécaniques de gameplay des anciens épisodes, tout en modernisant le tout. C'est ça qui fait, à mon avis, la force de ce Resident Evil. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui râlent parce que le jeu ne revient pas aux sources, comme eux, ils voudraient qu'il revienne aux sources. Mais il revient à l'horreur, tout en se modernisant. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a des empreintes hein, qui se dessinent sur la porte. Alors elle est toujours fermée actuellement. Parce qu'on n'a pas résolu le cinquième meurtre. Mais il s'est affiché dans le journal. Et donc on a. Comme un corps sans tête ne saurait être ébloui de ces quatre soleils luisants, Timmy fait fi. Alors les quatre soleils luisants. Un corps sans tête. Alors je pense que l'indice là, c'est les quatre soleils luisants. Et je pense que. Alors je sais où c'est, hein. Mais j'aimerais juste savoir ce que c'est que ces quatre soleils luisants, du coup. Bah, c'est ça, les quatre soleils luisants, je pense. C'est la fenêtre qui est séparée en quatre. La fenêtre est séparée en quatre par le bois, et du coup. Ou alors attendez. C'est peut-être tout simplement parce que. J'allais dire, il y a 4 fenêtres dans la cuisine, mais. Ouais, c'est un peu ça en fait. Il y a 1, 2, 3, 4 fenêtres. Je sais pas, c'est peut-être ça. Et donc en fait, ce qu'il faut là maintenant, c'est pointer ça du doigt. Parce que le pauvre a fini dans un ragoût. Et d'ailleurs, si je me plante pas. Là, l'espèce de boule là, qui est au bord là-bas, c'est pas des oreilles par hasard. Enfin bref. Je suis désolé, cette vidéo est peut-être pas très intéressante, mais ça vous permettra, pour ceux qui sont pas trop impatients, de patienter avant Resident Evil 7, qui je vous dis arrivera soit le samedi ou dimanche. Et là maintenant, ce truc s'ouvre.
fauteuil bascule avec une note. C'est toi le meilleur. Et la fameuse pièce sale. Et le dernier rire, qui est beaucoup plus présent que les autres d'ailleurs, qui est là juste pour me chier dessus. Et maintenant, bah écoutez, on a fait la démo quasi 100%. À quasi 100%, je dis ça parce qu'on n'a pas regardé la cassette. Mais à part ça, voilà, on n'a pas récupéré les munitions. Il faut savoir aussi qu'il est possible de tuer le monstre en lui tirant suffisamment de balles dans la gueule. D'ailleurs, j'essaierai de faire ça, tiens. Je vous ferai un petit bonus à la fin de cette vidéo. Qui va d'ailleurs s'unir tout de suite. Hein. Maintenant, normalement, on devrait pouvoir partir, puisque... Attendez, deux secondes. Est-ce que je peux l'examiner au moins cette pièce? Ah, elle a un peu... Elle a des bouts noirs dessus. Et c'est une pièce qui représente quoi? Je peux pas zoomer. Je sais pas trop ce qu'elle représente, on dirait une cigogne. Et là, on est sorti. Par la suite, les autorités se rendirent sur les lieux, mais aucune cassette vidéo ni trace d'homicide ne fut découverte. L'étrange témoignage de l'homme, bien que très détaillé, fut totalement rejeté après la découverte en sa possession d'une petite quantité de LSD. L'horreur continue dans Resident Evil 7, Biohazard. Fin, enfin libre. Il y a un truc que je vous avais pas dit durant les deux premières vidéos que je vous avais fait sur la démo, c'est cette musique. Cette musique, je trouve, enfin en tout cas, moi personnellement, me fait horriblement penser au remake du premier Resident Evil. Je pense que c'est voulu, c'est pas anodin du tout. Hein. Donc voilà, c'est ainsi que se termine... on s'en balèque. C'est ainsi que je termine la démo de Resident Evil 7. Voilà, objet transférable, pièce sale, en conservant vos données sauvegardées de cette démo, vous pouvez transférer l'objet obtenu vers le jeu complet. C'est comme ça que ça se termine du coup. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, pour ceux qui auront eu le courage de la regarder, hein, sachant que le jeu final est sorti et est peut-être beaucoup plus intéressant à regarder du coup que cette énième vidéo sur la démo. Moi voilà, je voulais le faire, j'hésitais à le faire en vidéo, je pensais le faire juste pour moi, mais je me dis hop, pourquoi pas, allons-y. En plus ça m'a peut-être pas pris beaucoup de temps de vidéo, donc voilà, ça va le faire. Quoi qu'il en soit, moi j'ai super envie de commencer Resident Evil, c'est une série qui a remonté dans mon estime et dans mon hype-omètre, si je peux dire ça comme ça, dans ma liste d'attente depuis que Silent Hill a sombré dans les abysses et dont l'avenir est très clairement incertain. J'ai pas envie d'être pessimiste trop. Mais il y a vraiment peu de chances pour que Konami fasse un nouvel épisode de Silent Hill, en tout cas un épisode à gros budget. Les derniers épisodes avaient été assez passables, hein. Ça fait depuis la moitié des années 2000 que Konami fait un peu n'importe quoi niveau jeux vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que moi Resident Evil, c'est une série maintenant que j'attends au tournant, parce que on sent bien que Capcom est pas prêt de la laisser tomber. Donc voilà, on verra très bientôt si le maître du survival horror est de retour. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !